plaisir, c'était de les accompagner, de les aider, de les écouter. For survivors, we can welcome them, escort them through ceremonies, visiting them in the US, bon souvenir. And take care of them and cherish them. This is the only thing I can do, which is nothing in comparison to what they have done for us. In Normandy, celebrations of remembrance and gratitude take place every year. French citizens bring World War II veterans and their families to Normandy to share their stories. In doing so, the French, once liberated by the Americans, liberate these soldiers in return. Ah, les parachutes. Merci. Merci. Do you want a picture with your camera? Yes, please. I took some, but you were. Vous êtes. Sont arrivés de quand à cette belle église? Je crois que ça fait une semaine. Oh, I love that. When did you come? I came here on November 22nd for my 25th wedding anniversary. This year? Yes. Okay, 21 novembre, elle est arrivée. Ah, oui. Mm-hmm. Ah, c'est bien. C'est pour son anniversaire de mariage. Merci. And my husband and I were here for 1 week. Oh, yes. And we were a tourist. That's a nice thing. Yes. And did you enjoy it? Yes. And then we started to work. So ah, finally. Yes, this is our third day. Okay. So tell her. Okay. En fait, elle était là en voyage de plaisir avec son mari parce que c'est leur anniversaire de mariage. Ah, c'est bien. Mais là, c'est leur. Après, il a fallu travailler, donc là, c'est son troisième jour de travail. Ah, ben oui. Cyrielle, will you translate for me? Sure. Okay, good. I want to introduce you. Do you know Madame Lecomte? This is Cyrielle. This is Denise Lecomte. Tell her that you are a friend and you have been helping us and a little bit about yourself. Je suis en train de les aider, de prendre des notes pendant les interviews. Ah, ben c'est bien. Voilà, donc je vais écouter votre interview avec beaucoup de plaisir. Je vais prendre beaucoup de notes. Et je vais apprendre beaucoup, j'en suis sûre. C'est bien. Je suis ravie de vous rencontrer. J'ai un beau souvenir. Voilà. C'est une belle histoire. De toute l'histoire de cette nuit du cycle. Oui. C'est vrai que s'il t'est pendu, hein, on se parle. And can you tell her that today, unfortunately, I will not be asking her the questions? Oh, alors, shame on you. C'est pas Christiane qui va vous poser les questions aujourd'hui. Non. C'est une petite énergumène là-bas. La petite homme. Énergumène, which is a sort of clown. Oh, yes, yeah. Yes. A funny guy. Funny yeah. Guy. Quelqu'un qui est très drôle, qui est très professionnel, rassurez-vous, il va vous poser plein de questions. Ah, ouais, so, explain that I met Flo in March in the United States. Alors, elle a rencontré Flo, donc la personne qui va vous interviewer en mars dernier aux États-Unis. He saves up his money in the summers as a tour guide. He saves it up and he goes to the United States to interview veterans. Alors en fait, il a
épargné son argent de son travail d'été, qui faisait des tours de la Normandie pour des Américains, pour aller ensuite aux États-Unis faire des interviews de vétérans et récolter les témoignages. Donc c'est quelqu'un de professionnel. Ah, c'est bien. Moi, que je pourrais lui répondre sur ce que je sais. Il n'y a pas de souci. Voilà. But he has a very big heart. Il a un cœur gros comme ça. Voilà. And he loves this story very much, and he was a history major. Here he is. Voilà, il a fait des études d'histoire, une licence d'histoire, quelqu'un qui est très passionné par tout ça. And so he is going to ask you questions, and you will just tell him the answers, looking at Flo. Alors, il faudra bien répondre aux questions en regardant, pas regarder Christiane. Non. Sur le côté. Not me. And I will find out what she said later. Et elle découvrira ce que vous aurez raconté plus tard quand elle lira mes notes. Voilà, ça va être sa surprise. But I will feel what she says in my heart. Elle va le ressentir. Ce que vous allez raconter, elle va le ressentir dans son cœur. C'est ce qu'elle dit. I would like to present Flo Plana. Bonjour madame. Bonjour. Enchantée. Did you ever meet? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous vous êtes rencontrés, non? Ah non, pas encore. Non, pas encore. C'est la première fois. Ok. Oui. Donc c'est un honneur hein, de vous rencontrer. Et je crois qu'on va avoir une petite discussion après. Et vous allez voir, on oublie les caméras. Moi, je suis plutôt relax. C'est bien. On peut rigoler, on peut... Voilà.